Bonjour à tous et bienvenue sur OCC TV. Donc là, je reprends le stream de William. Nous a fait une belle, nous a bien montré ce qu'il avait en DAC audio et on va continuer sur ce qu'il nous a montré au niveau de ses câbles USB DIY. Et on va faire aussi du DIY ce soir. On va faire du clavier mécanique et on va introduire tout ça par du clavier mécanique fait maison. Alors je vais pas vous montrer ma face, voilà, j'ai pas réglé la caméra pour mon visage et tout ça, je vous ai préparé un petit setup avec une caméra vue de dessus, une sur le côté, hop, hein. Comme ça, alors, tac, que je me trompe pas, que je remette les souris, tac, une sur le côté et je vous ai mis un petit microscope pour qu'on puisse voir exactement ce dont on aura besoin, d'accord? Donc, qu'est-ce que c'est qu'un clavier? On commence par là. Un clavier, c'est ce qu'on utilise tous les jours. On tape sur des touches, ça affiche à l'écran des combinaisons. On peut faire des combinaisons de touches pour afficher des caractères. C'est tout simple, mais mécaniquement et électroniquement, qu'est-ce que c'est? Alors, je m'en suis préparé un. J'ai sorti un vieux Corsair que j'avais. Désolé Corsair. Hein. J'ai un vieux K70, un full size, et je l'ai démonté pour vous montrer ce que c'était. N'hésitez pas à mettre un petit message dans le chat. Hein. Tac, faut que je me l'affiche quelque part pour que je puisse voir s'il y a des retours. Voilà. Et posez des questions si vous n'entendez pas, s'il y a quelque chose, n'hésitez pas. Donc, un clavier, on sait tout ce que c'est. On a des touches, mais à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a? Hop, on fait un petit tour. Voilà, donc sur un clavier, on a... Allez. Hop, on va se faire. On va avoir notre port USB. Hein, donc là, sur le clavier, il était ici. On a port USB et surtout, on a un MCU. C'est un petit microcontrôleur qui va gérer tout ce qui est entrée et sortie. On verra par la suite. Et après, on a nos petits switches. Donc les switches, simplement une porte ouverte, fermée, qui fait passer le courant. Sur chaque clavier... On a aussi des diodes qui seront là pour éviter le ghosting. Le ghosting, c'est pour éviter que quand on appuie sur deux touches à la fois, on affiche n'importe quoi. Donc un clavier, c'est tout simple. Un petit microcontrôleur, des switches, des petites portes, et derrière, c'est tout le système d'exploitation qui gère les entrées et sorties. Voilà. C'est pour faire une brève aparté sur comment c'est construit. Voilà. Donc ça c'est le Corsair, on n'en a plus besoin, c'est pas du DIY. C'est ce qu'on trouve dans les magasins directement. Pourquoi est-ce qu'on parle du DIY sur overclocking.com? Pourquoi on parle clavier mécanique DIY? Vous savez qu'on aime tous aller trifouiller notre PC. On pourrait très bien aller acheter notre PC d'une certaine marque au Carrefour ou au Champ ou troisième nom au Lidl du coin, voilà. Sauf qu'on aime pouvoir trifouiller, changer notre carte graphique, notre carte mère, changer notre RAM, mettre quelques LED, changer le disque dur, passer d'un SSD SATA en M.2 par exemple, PCI Express, etc. On aime avoir une config qui soit vraiment, qui nous ressemble. Et bien dans le clavier c'est pareil. On a vu du Corsair, on peut avoir comme ici du petit clavier Logitech, tout simplement. Voilà. Et voilà, forcément j'appuie sur des touches. Attendez, je suis perdu. J'ai appuyé sur la mauvaise touche. J'ai plus d'affichage. Voilà. Donc on peut avoir celui-là. On peut en vrai se faire du clavier DIY. Hop. Comme là. On va juste changer le boîtier. D'accord, ça c'est un petit boîtier bois. Et puis il y a des gens dans le milieu qui sont un peu acharnés. Et qui vont aller taper dans le dur. Et qui vont faire des petites choses comme ça. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette chose? C'est simplement le PCB qu'on disait tout à l'heure, d'un petit clavier qu'on appelle un split. Un split, qu'est-ce que c'est? C'est un clavier qui est divisé en deux. Donc, on retrouve les mêmes éléments. Oui, il y a eu 442 à un moment. J'ai appuyé sur un mauvais bouton sur le clavier. Son fil et donc ça m'a affiché une mauvaise page. Voilà, c'est une page que j'avais derrière mon écran.
Donc ça, c'est un petit... je répondais à Corner qui m'a envoyé un petit message. C'est un petit PCB comme on voyait tout à l'heure. Les gens commencent à faire des claviers vraiment DIY complets. C'est comme si aujourd'hui on se disait, bah, moi je veux une carte mère comme je veux, donc je vais aller m'imprimer mon PCB. Et puis je vais mettre ce que je veux dessus. Je veux mon port USB ici, j'en veux 20. Je veux avoir une LED sous mon CPU, tout ça. Et on commence à se faire nos petits PCB. Là-dessus, on retrouve exactement les mêmes composants en termes de fonctionnalité qu'on avait sur le Corsair de tout à l'heure. Alors ça n'a pas la même forme, mais ça a exactement les mêmes fonctions. On a ici, dessous, un Arduino Pro Micro. Certains connaîtront, ceux qui font un peu de la bidouille, c'est simplement un petit Atmega, un microcontrôleur avec un port USB. Et derrière, on va avoir des entrées-sorties. On a un petit écran OLED. Donc on a notre USB. Et après, derrière, on va pouvoir mettre nos switches un peu de partout. Et on va pouvoir mettre nos LED. Donc en fait, on se retrouve toujours dans la même typologie. Un microcontrôleur avec un port USB pour rentrer ou autre chose. Des switches et une diode sur chaque switch pour justement éviter cette multi... Enfin, que le microcontrôleur perde les pédales quand on appuie sur plusieurs touches. Voilà. En gros. Donc là, on commence à rentrer un petit peu dans le plus dur. Sachant qu'ici, là, on est sur du split, ça veut dire qu'on en a un à droite et un à gauche. Je vous montre comment c'est quand c'est rendu avec le rendu final. Hop. On va changer. Voilà ce que ça donne. Partie gauche, partie droite. Forcément, au milieu, un petit câble pour les relier. Voilà. Et un petit port USB ici pour relier au PC. Tout simple. Là, ça commence à être... Bon, c'est simple au niveau construction, mais ça commence à être un petit peu plus DIY. Donc ce soir, ce qu'on va voir, justement, on va rester sur un split comme ça. Mais un split particulier. On va faire un split qu'un Français a fait. Un de nos amis qui s'est expatrié dans un autre pays d'Europe et nous a sorti... Alors, je reviens, je vais juste chercher. Il nous a sorti ce qu'on appelle un dactyle maniforme. Pourquoi? Quand on tape sur notre clavier, je vais prendre un clavier tout simple, on a toujours la largeur des épaules qui n'est pas à la même largeur que le clavier. Ça veut dire que techniquement, on a nos mains qui viennent comme ça, en travers. Sauf que pour taper, on va venir, hop, rabattre les mains et on va venir casser les poignets. Hop, je vais changer un peu l'angle. Et on va venir casser les poignets. Et en cassant les poignets, on va aller appuyer les poignets directement sur le bureau et on peut avoir ce fameux problème de canal carpien. Donc, plus on vieillit, après on va avoir les mains froides, on va avoir mal justement dans les mains, etc. Quand on passe sur un split, on enlève ce problème ici de mains cassées, comme ça. Parce que en le splittant, voilà, on le met comme on veut. Donc, on n'a plus ce problème de mains qui est complètement fracassées ou les épaules qui sont rentrées. Et en plus, ça peut nous faire mal au dos. Donc, ça, c'est sur le split. Là, on voit en particulier, c'est un split avec les touches qui sont verticalement alignées. Alors que sur un clavier standard, les touches sont toutes comme ça. Elles ne sont pas alignées verticalement. Elles sont toutes en diagonale. D'accord? Donc, on va venir modifier la topologie, le layout et voilà, du clavier. On va pas aller rentrer dans les détails techniques plus que ça. Donc notre ami a fait le Bastille. Le Bastille, c'est un clavier ergonomique et forcément mécanique. D'accord? L'ergonomique, pourquoi? Eh bien parce que, alors je vous montre une version finie d'un côté, puisque c'est un split, d'accord? Donc ça c'est la partie droite. C'est une partie
toujours avec les touches alignées verticalement. Et celui-là, il y a un peu plus de touches. D'accord ? Donc c'est ça qu'on va faire ce soir. On va le souder, on va tout le monter. Là, je l'ai démonté pour avoir un exemple de ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais vous montrer. Tac. Donc on a... ici. Hop là, comme ça. Je ne sais pas si on va pouvoir voir. Là, on a notre petit microcontrôleur. Donc ici, c'est l'exemple. C'est sur une base de Elite C, c'est en USB-C. Mais c'est la même chose que le Pro Micro 2 de tout à l'heure. Et on a le PCB à l'intérieur. Et les switches qui sont soudés. D'accord ? Donc là, je vais vous montrer tout ça. Alors, c'est quelque chose de très particulier. C'est un PCB qui est flexible. Donc, on va regarder ça. C'est un clavier que j'ai monté à l'essai il y a à peu près 2 mois et j'attendais avec impatience de pouvoir vous le montrer. C'est une chose qu'on va pouvoir faire ce soir. Donc, on a hop, la partie du dessus qui va intégrer à la fois le boîtier et la plate. La plate, c'est là où on vient fixer les switches. On va avoir une plaque intermédiaire. On va avoir le fond, ici. Comme ça. Comme ça. Et je suis perdu. Hop. Voilà. On va avoir le fond. La plaque au milieu sera là pour pouvoir diffuser de la lumière. Et c'est un boîtier qui est fait en 3D. En impression 3D. Voilà. Alors, hop, je vais juste me remettre. Je suis désolé, j'ai pas vu qu'il y avait le. J'ai pas regardé le chat vraiment. Tac. N'hésitez pas. Hein. Ouais, le boîtier est bien en impression 3D. Ouais. Il a été fait sur une MK3S. Avec un filament de chez Prusa, le Galaxy Black. Je sais pas si t'es là. C'est normalement. Je reviens. Ouais, il y a Balanchtik, donc celui qui a créé, qui devait nous rejoindre sur le chat. Il reviendra un peu plus tard. Donc c'est bien. Ouais, c'est un filament pailleté, c'est ça. Donc c'est du Prusa, c'est du Galaxy Black, je crois. Et franchement, ça rend bien. Donc voilà, ça c'est la partie impression 3D. Hop, il faut absolument que je me mette un cinquième écran pour pouvoir chatter avec vous en même temps. Et à côté, on va avoir les PCB. Donc on va voir le PCB de la partie du dessous, où on va souder les LED tout à l'heure. On va avoir le PCB pour la partie du pouce. Et on va avoir le PCB pour le reste du clavier. Donc là, on va tous faire... j'ai préparé la notice, justement, pour qu'on puisse voir ça. Alors, combien le kit ? Pardon. vous voulez vraiment voir ? Alors, tac. Combien le kit ? Ah, c'était pas la question qu'il fallait poser, ça. Non, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le DIY, le matériel coûte cher. Vu que c'est pas fait à des grosses quantités, c'est du matériel qui peut revenir très cher. Pour donner un ordre d'idée, on peut aller sur un simple clavier entre 50 euros le premier prix sur AliExpress, jusqu'à pourquoi pas 600-700 euros avec des boîtiers alu. Alors, on va faire un petit passage sur... Est-ce que ça va marcher, ça ? Non, ça ne marche pas, forcément. Hop, je prends 2 secondes. Tac, voilà, c'est mieux comme ça. Vous voyez bien, c'est tout bon. Ouais, c'est tout noir. Ça va couper. Donc là, on est sur le site de Bastard Keyboard, donc Balanchtik, qui avant s'appelait HID Technologies. Donc vous verrez beaucoup de logos HID Technologies, mais c'est passé là la semaine dernière ou en début de semaine sous un nouveau nom. Alors, moi, c'est un kit DIY que j'ai eu avant qu'il soit complètement créé. En version black, DIY kit. RGB, j'avais la RGB 1000 plate, mais avec ça à l'époque. Et la bottom plate était en plastique, en impression 3D. Vous m'entendez toujours, c'est tout bon. Attention, calculate. Boom, 289 euros pour le kit que je vous ai présenté. Là-dessus, il faudra rajouter vos switches et il faudra rajouter vos keycaps. D'accord ?
Les Switch, je vous montrerai. J'ai pris des Switch sur AliExpress, des Gateron Red. Bon, pour en avoir pour là, il y a quoi? Il y a à peu près 60 Switch. Faut compter une 25 euros pour 25 Switch sur AliExpress dans cette gamme-là. Mais vous pouvez mettre n'importe quoi. Vous pouvez mettre des Koalas, vous pouvez mettre des T1, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et ça peut, la facture peut monter très haut. Et ensuite, vous rajoutez vos keycaps. Et les keycaps, c'est là que ça blesse. C'est que dans le domaine du DIY. Ah non, mais t'as pas les keycaps avec ça. Si tu veux un set propre en PBT ou en ABS de bonne qualité, tu rajoutes 200. Oui, le clavier mécanique est un domaine de niche. Mais t'inquiète pas. T'inquiète pas, il y a d'autres claviers qu'on peut faire. Je vais juste faire une petite aparté. Ça, par exemple. Hop, on va changer. On va basculer là-dessus. Ça, par exemple, c'est mon clavier H24. C'est un clavier qui m'est revenu à peut-être 110 euros. Voilà. Voilà. Donc ça, je ferai un stream aussi, hein. Je vais en monter un dans pas longtemps pour une connaissance. Je vous ferai un stream là-dessus. Je reviens. Je reviens. Alors. Tac, là on est bon. Je me remets. Tac, et voilà. Donc le Dactyl Manuform, enfin le clavier comme ceci, c'est vraiment pour un produit de niche, hein. Là, il est fait à l'unité. Il y a pratiquement, j'allais dire, 1 ou 2 ans de travail derrière pour l'avoir créé. Je ne veux pas trop m'avancer, mais je pense que c'est à peu près ça. On a réussi à en voir sur un Discord, on a réussi à voir toutes les évolutions. Ça a beaucoup changé. Et derrière, c'est du travail. Enfin, c'est du beau travail quand même. Hein. Si on regarde tac, les PCB, voilà quoi. C'est vraiment du. Il a bien bossé le truc. Hein. D'accord? Bon, allez, on va commencer. On va commencer par souder un peu tout ça. On va déjà hop, préparer les PCB. N'hésitez pas à poser des questions. Je vais mettre le chat là-devant pour que je puisse vous voir. Ouais, voilà. Salut William. Et puis même Vertex, il en a pris un, il s'en est fait un aussi sur AliExpress. Faut commencer petit, hein. Moi j'ai commencé petit, je veux pas mettre des milliers des ronds, des milliers des cents là-dedans. Mais on peut très vite partir sur des prix affolants. Et ça, c'est sur du prix neuf. Ce qu'il faut savoir, c'est que le clavier mécanique, le domaine du clavier mécanique, c'est du fait sur mesure, du fait main. Entre guillemets, hein, c'est de l'artisanat. Donc en gros, quelqu'un va sortir un clavier, il va sortir, allez, peut-être 200 ou 150 exemplaires. T'as des milliers de férus dans le monde entier qui vont voir ça, ils vont tous en vouloir un. S'ils n'arrivent pas à en avoir un, eh ben l'aftermarket, le prix, il explose. Voilà, donc on va sortir tout ça. N'hésitez pas à poser vos questions en attendant le temps que je fasse la découpe. J'aurais pu préparer avant, mais je préférais vous montrer un kit sorti directement de la boîte. Donc ça, c'est un kit DIY, hein. Si vous voulez, vous pouvez l'acheter en préfait, en prémonté. Il y en a pas mal qui en ont acheté là en France en prémonté, juste avant pour le tester, avant qu'il soit réellement mis sur le marché, c'est plus cher. Hein. Ah oui, là, il a fait du PCB en 1,2 ou 1 mm, je sais plus. Et ouais, tu peux. Tu vois, il a vraiment étudié le truc. Vraiment. Hein. Il en a fait des exemplaires, hein. On le voyait passer avec ses photos en lui disant, ouais, j'essaie de faire ça. Ouais. Vraiment, il a bossé le truc
vraiment bien. Et je crois que c'est un des rares, je ne vais pas dire le seul, mais c'est un des rares à avoir réussi à faire un split comme ça, enfin un PCB comme ça avec un clavier comme ça avec un PCB flexible. Bon, on va faire un peu de nettoyage quand même dessus. Donc vous l'aurez compris, hein, ce soir, c'est pas trop présentation de produits, c'est surtout atelier fabrication. Parce qu'après, on va souder. Je vais vous montrer 2-3 tips pour pouvoir souder. Après, je suis pas un soudeur pro. Hein. S'il y en a ici qui savent faire, je pense notamment au maître européen de la soudure de clavier mécanique, Maître Puré. Je ne vais pas citer là, mais. Ouais, bon allez, j'en ai mis de partout, la fibre de verre, je vais m'en mettre plein les doigts. Donc on va sortir. Hop là. Faire un peu de ménage. Hein. Merci pour ton stream William tout à l'heure. Ah oh. Si, moi je suis un débutant en soudure, hein. Vous allez vite le voir. Alors, on va basculer sur. Tac. Là-dessus. Parce que sur son site, hop, notre ami nous a fait un. Tac, le Bastille. Il nous a fait un mode opératoire. Donc il faudra déjà mettre les screws dans au fer tout à l'heure. Et ensuite on va commencer à souder. Donc ce qu'on va commencer à faire, c'est on va commencer par souder toutes les. Hop, on va commencer à souder toutes les diodes. Pour souder les diodes, je vais rapprocher ça pour que vous voyez mieux. Tac. On va se mettre le fer à souder à 340. Allez, chauffe Marcel. Donc les diodes, ce sont simplement des 1N4148. Ce sont des diodes qui laissent passer le courant dans un sens et pas dans l'autre. Hop, ça y est, c'est chaud. Alors, tac, je remets le chat parce que sinon je vais pas voir. Donc pour souder, vous voyez que c'est tout petit. Hein. D'accord? Si on fait une petite place sur le microscope, on va basculer ça là-dessus. Hop. Voilà. Donc ça, c'est une diode. On le voit sur le côté. Il y a un petit trait. Hop, 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 voilà. Le trait, c'est là où le sens du courant ne passera pas. Donc il va passer du 4 vers le T, de droite vers la gauche, et pas de gauche vers la droite, si on voit bien la même chose. Donc ça, va falloir le souder sur le PCB. Voilà. Et vous voyez, il y a la diode ici, qui est marquée. Hop. Et comme ça, on saura où le souder. Je vais souder tout simplement. Je ne vais pas vous montrer pour l'instant la soudure proche parce que j'en ai mis un peu de partout. La seule chose qu'il faut bien faire attention quand vous soudez, c'est la ventilation. Toujours bien ventilé. D'accord? Donc ça risque de faire un peu de bruit. D'ailleurs, je vais arrêter l'imprimante 3D, je reviens. Voilà. Donc bien ventilé parce que dans l'étain, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a du plomb. Voilà. On a de l'étain forcément et on a du flux. Et le flux c'est très mauvais pour les bronches. Donc on fait bien attention. Ok. Donc sur sa petite feuille, notre ami nous a dit. Tac. Hop, ça montrait des petites photos. Est-ce que je peux faire ça? Est-ce que ça marche? Non. J'aurais bien voulu zoomer. Pour que vous puissiez voir, mais ça fait. On verra pas. Tac, tac.
Donc on va aller souder, tout simplement. Il est où mon étang? Il est passé où? J'en ai mis partout. Tac. Donc j'utilise de l'étain de chez Métaux Blanc MBO. D'accord. Là on va utiliser du 0,7. C'est assez sympa à faire avec ça. Donc le principe, quand on veut souder une petite diode, tout simplement comme ça, ce que je vous conseille, c'est de les préparer dans le sens où vous allez les souder. Parce qu'elles vont pas dans le même sens partout. Hop. Là ici, on a un sens, le courant passe comme ça. D'accord? Donc faut les préparer pour pas la souder à l'envers, sinon votre touche elle va jamais marcher. Ok? Il faudra vraiment que je me rajoute un écran. Allez, c'est parti. Donc je vais préparer un maximum de diodes dans le bon sens. Pour la prochaine fois, ce que je ferai, c'est que ça, je le ferai un peu à l'avance. Hein, parce que vous n'allez pas me regarder, enfin voilà, regarder quelqu'un souder des diodes, il y a plus intéressant. Donc pour souder, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben moi j'ai pris l'habitude, comme je suis droitier, je vais mettre un coup d'étain sur le côté droit. D'accord. Est-ce qu'on peut faire plus proche encore? Est-ce qu'on peut faire encore plus proche? Hop là. Donc j'ai mis un petit coup d'étain ici. Je prends ma Bruxelles. Je viens avec mon fer à souder. Je la place. Un petit coup de fer. Hop là. Et c'est fixé. D'accord? C'est tout simple. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire de l'étain un peu de partout. Voilà. Et ensuite, on va aller mettre nos petites diodes. Il ne faut pas en oublier. Vous avez vu, c'est pas ça, c'est pas difficile, hein. C'est vraiment pas difficile à souder. Je vais juste me remettre le chat. Non, si, si, c'est un fil. Il y a un fil. C'est un casse-guerre T12 de AliExpress que j'ai modé parce que d'origine il n'y a pas la terre sur le boîtier. Et ça a l'avantage, c'est ces petits fers de chauffer, mais très très vite. Donc vous avez remarqué qu'il n'y a pas de musique pendant que je stream, simplement parce que j'ai streamé sur YouTube la semaine dernière sur ma chaîne perso. Et il y avait une petite pub qui s'est mise dessus. Et la petite pub de YouTube, elle m'a dit quoi? Elle m'a dit: ah bah il y a de la musique avec des droits. Voilà. Donc il n'y aura plus de musique. Fini. Je vous avoue que se faire strike pour une pub qui a duré.
30 secondes, même pas 10 secondes. Donc il faudra que je mette une playlist peut-être pour avoir un rendu sonore un peu plus adapté. Parce que là, quand même que je comble un petit peu le bruit. Hein. N'hésitez pas à poser des questions. Hein. Ouais, mais c'est ce que j'avais mis. J'avais mis une playlist libre de droit sur... je sais plus quoi et sur YouTube et forcément le navigateur intégré à OBS et c'est pas Chrome, donc mon anti pub de Chrome il a sauté, il a servi à rien. Mais ouais, si on peut avoir une playlist ce serait top à rajouter dans la to-do list. À rajouter dans la to-do list. C'est bon, vous voyez assez? Tu veux que je chante? Non, mais soyez pas fous les gens. Il fait déjà pas très beau. Là. Si je commence à chanter, j'ai ma femme, elle va se réveiller, elle va me faire je voudrais dormir. Après, on peut demander à Kansai. Hein. Tu veux chanter, Kansai? Avec Vertex, tous les deux. Vous faites un petit battle de chansons, non? Ouais, j'ai oublié de mettre de l'étain. Là. Donc, c'est pas compliqué à souder. Hein. Il faut juste avoir un outil adapté. Après, je vais faire de la place sur le microscope. Et puis, on va voir ce que c'est qu'une bonne soudure et une mauvaise soudure. Alors, je dis pas que je fais des bonnes soudures. Hein. Je suis pas assez pour être un professionnel de la soudure, mais ça commence à venir. Tac. Il est toujours meilleur que soi, hein, dans tous les domaines. Tac, un petit point de soudure ici. Bon April. C'est une B12, je crois. Je veux pas dire de bêtises, mais c'est une. Ah, finesse, faudrait que je la démonte. Faudrait que je la démonte, mais. C'est pas très. C'est pas petit, hein. C'est une pointe standard, hein. En fait, on peut prendre des pointes qui sont plus fines comme ça. Ça, c'est une ILS. On peut mettre des pointes plus fines, mais le problème, c'est que y a moins de puissance au bout. Hein, la chaleur, elle reste moins, il y a moins de masse. Et... Vive. Y a moins de masse chauffante, donc c'est moins bien. Celle que j'utilise, hein, moi, je suis bien à l'aise avec. Et pour souder les MCE aussi, j'utilise bien celle-là. Hein, qui sera très utile pour souder tout ce qui est les QNF, là, les petits boîtiers des Pro Micro, etc. Les ATmega, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Je sais compter. On va faire celui-là maintenant. Oui, parce qu'il y a le pouce aussi. Mince. Et vous savez quoi? Je suis débile. Ça y est, ma journée commence bien. Ouais, non, t'entends rien? Ok. Ça y est, donc Balanchetic, celui qui a créé. Le problème, tu sais quoi? Je viens de commencer. J'ai fait la bêtise. J'ai soudé du mauvais côté. J'ai soudé les diodes. Ah, mais non, elles sont du bon côté. Non, c'est bon. J'ai eu peur d'avoir soudé du mauvais côté. Ouais. Je me suis dit. Ah, cette histoire de Christian. Non, c'est bon, j'ai soudé du bon côté. J'ai eu peur d'un coup. Hein.
J'ai eu peur. Ça me fait flipper là. Parce que si on saute les diodes de mauvais côté, quand on retourne, ben ça marchera pas. Ah mais t'as fait ça bien. On peut mettre des deux côtés. Non? Non, c'est bien ça, non, je me suis pas trompé. On est d'accord, ok. Si, si, je me suis trompé. Non, je me suis pas trompé, c'est bon. Fin de journée, fatigué, hein. Je commence pas à souder quelque chose qui rentrera pas, hein. Non, c'est bon. Tac, 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 tac. Ok, on est bon. Et ici, il faut le faire dans ce sens-là. Tac. Donc, je soude ici. Donc, il faut que je soude ici. Hop, un petit peu d'étain. Donc, vous voyez toute la fumée qui sort là. Ça, c'est pas bon pour les poumons, ça. Donc, pièce ventilée, vous faites pas ça dans votre cave fermée, vous allez renifler du flux pendant 4 heures. Hein. Faites pas ça parce que je pense qu'à 60 ans, vous allez le sentir. Hein. Allez hop, on en met 4 de plus. N'hésitez pas s'il y a des questions. Hein. Combien qu'on est d'ailleurs? J'ai pas regardé. Moi, je suis un peu intimide. Tac. Non, 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 pas 200, tu rigoles. Pas 200 personnes. Voilà. Ok, on a fait le premier côté. Donc maintenant, ce qu'on va faire... Eh ben on va ressouder de l'autre côté à chaque fois. Et oui, parce qu'on a soudé qu'un côté des diodes. Donc, par habitude, je ressoude de l'autre côté et je viens remettre un petit peu d'étain sur le premier, parce qu'on a fait une soudure qui n'était pas forcément très propre, on l'a fait un peu trop longtemps, le flux a sauté. Hop. Donc je remets un tout petit peu d'étain pour ajouter du flux, pour que ça puisse venir mouiller la soudure, et elle puisse être plus jolie. Ça c'est du flux en stylo. Ça sert à rien ce que j'ai fait, mais c'était pour avoir une belle soudure. Alors, on va se mettre. Tac, tac, tac. Voilà. Voilà ce que ça donne au niveau des soudures. Donc là, on a un gros pâté. C'est celui que je viens de rajouter. Mais sinon, on va essayer de mettre un peu plus près. Hop là. Alors, attention les yeux. Voilà, donc c'est des soudures qui sont pas trop moches. Ça fait un peu gros, mais bon. Pas oublier qu'on est sur... c'est un truc qui est tout petit. Hein. Voilà. Et c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Hop là. Allez, on va remonter tout ça. On va régler.
Tac, et je reprends mon petit chat. Voilà. Allez, on continue, on va faire les autres. Donc ça, c'est un fer à souder, le T92, qui coûte rien du tout sur AliExpress. La seule chose qu'il faudra faire, c'est le modder pour avoir la terre sur le boîtier. Parce qu'à l'origine, c'est un boîtier plastique, donc pas besoin de mettre la terre sur le boîtier. Et quand ils sont passés en boîtier alu, bah, ils ont oublié de mettre la terre. Ça reste du quality check, excusez-moi du terme, mais chinois. Et au niveau sécurité, des fois, c'est un peu léger. Donc c'est un fer qui doit coûter, je crois, à peu près 80 €. Après vous avez le T100, qui est pas mal, que beaucoup ont. C'est un fil, c'est un fer à souder sans fil. Et puis voilà. Oh là, celle-là. Corner qui posait la question, voilà, un fer à souder, il faut quand même qu'il puisse chauffer correctement avec des températures qu'on définit. Si on prend le premier sur Amazon du coin, là le truc à 25 €, je te garantis pas que ta soudure sera belle dans le sens où tu pourras pas régler la température. Et c'est important une bonne température. Tu vois, moi je suis à 340 degrés. Si je me mets à 400 degrés parce que j'ai pas pu check vraiment la température, ça va vite brûler mon étain, le flux va partir et après ma soudure elle va être collante. Et pareil, si c'est pas assez chaud, ça fera pareil. Ok. Bon, nickel. Allez, première partie, c'est bon. Donc on vérifie. Hop. Ça va rentrer dedans comme ça. Voilà. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va aller souder la petite nappe, comme ça. Donc on a celle-là à souder. Et puis on aura aussi la nappe pour le pouce à souder. Sauf que j'ai dû faire une bêtise. Exactement. Mince alors. J'ai fait une bêtise. J'ai fait une bêtise. Quand j'ai coupé, j'ai pas coupé correctement. Là, il y en a un de trop et là-bas, il y en a un de moins. Bon, on va faire ça. Très bien. Terre. Pas cutter, ciseaux. Voilà. Donc on va avoir ça qui va aller pour le pouce. Et après on va avoir une certaine partie qui va aller d'un côté du MCU. Tac. Donc il y aura ça. Il y aura ça. Il faudra qu'on regarde sur la doc. Oh, je tremble ce soir. Et on va aller souder la moitié sur un côté du MCU, la moitié sur l'autre. D'accord? Allez, on va souder ça déjà. On va essayer de regarder pour pas faire de bêtises. Donc ici, ok. Donc là, on est tranquille, on peut souder sans problème.
On va bien le mettre dans ce sens-là parce qu'en bas, ça va venir dans le clavier. Ça va venir se mettre comme ça. Pour aller là. C'est que j'ai mis. Vous avez vu, je suis tellement organisé que j'ai perdu la moitié. Sérieux. Donc là, ça va être comme ça. On va venir le souder comme ça. Donc, dans l'autre, ce que j'ai fait, c'est que je l'avais soudé droit, mais on va essayer de le souder un peu en diagonale. Allez, c'est parti. Ouais, c'est ça. Attends, tu dis la soudure de la nano, la nappe, il y a 6 et une 5. J'ai pas tout compris, je suis désolé. Ah, il y a une. Attends, c'est une nouvelle version. Je sais pas, moi j'ai mis comme ça sur l'autre. Désolé, j'ai pas compris balance tic. Hein. Ce que tu voulais dire. Ah, je vois, je pense que tu parles pour le en direction du MCU. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Mais de manière, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà les placer sur le. J'ai l'autre hein, devant les yeux. Hein. Mais ouais, faut bien souder la 5. Je crois que c'est la 6 en haut. Non, c'est la 5 en haut et la 6 en bas. Ok, donc là, on est bon. Et ensuite, on est comme ça. Ouais, merci pour le. C'est ce que j'étais en train de regarder justement. Là on est bon, on sera bon là, on sera bon là ensuite. Ok, ensuite, donc comme il dit notre ami Balan, Bastic, on va retourner sur notre note, tac. Donc on a sur le MCU, hop là, ouais c'est une version spéciale, hein. C'est une version spéciale à nous, du MCU, donc on a C6 vers C3, donc il faut la 5 broches sur le haut. Donc, hop là. Mince. Allez, la souris. Ici. Donc, en fait, on va faire comme ça. On va venir souder ça.
Hop, comme ça. Et on va venir le faire le souder. Donc on a dit. Je l'ai pas imprimé, j'aurais dû. Et le C6 du MCU vers le C3. Donc le C6 du MCU qui est ici. Donc on va faire ça. Comme ça. Même pas, c'est dans l'autre sens. Donc c'est comme ça. Et comme ça. Voilà, c'est ça. Donc on va tout de suite le souder, ça. Ça, on va pas l'oublier. Donc on a notre C6 ici sur l'extérieur qui va aller sur le C3. C'est ce qui est marqué sur la notice. Hein. Et donc on va avoir ici le B5 qui va aller sur le R2. Si on regarde sur notre petite notice, C6 sur C3, B5 sur R2, c'est ça. Et après le reste va suivre. Allez hop, c'est parti. C'est bon, vous suivez toujours, pas trop fatigué. La journée n'a pas été trop dure pour vous. Donc je vais mettre qu'un point de soudure hein, pour se faire un peu une idée. Pour voir ce que ça va donner. Donc là on va faire tchac, ça là-dedans, ça ici. Donc c'est du flexible, hein. Et là après on va voir le USB qui va venir se mettre ici. Et là bizarrement j'ai mon USB qui est à l'envers. Donc il va falloir que je le mette peut-être comme ça. Et oui, donc ça veut dire qu'il faut que je vienne souder par ici et pas par en dessous. Ouais. C'est là mon USB, il va être comme ça. Je vais absolument faire ça n'importe comment. Donc si on recommence. J'étais bon avant? Non, me dis pas que j'étais bon avant. Je t'avoue que je suis un peu perdu avec toutes mes mains de partout là. Ouais, t'as raison. T'as raison. Bon. Ouais, je sais, il y a des photos dans le guide, mais entre le PC, le machin, je t'avoue que j'ai un peu du mal. Le souci que j'ai, c'est que regarde, ici, là. J'ai l'empreinte pour mettre mon truc comme ça. On est d'accord?
Ah. Comment j'ai fait sur l'autre? Ouais, je peux pas mettre comme ça parce que si je mets comme ça va pas rentrer. Faut bien que je le mette comme ça sur le côté droit. Pour dessouder un point, tu fais chauffer, tu tires dessus. Non, non, il n'y a que ça. Tu peux faire ça. Tu vois, il faut que je me le mette comme ça. Donc si je me le mets comme ça. il faut bien que je me mette par-dessus. C'est plus simple. Manière le C6, il va sur le C3, donc je vais le faire comme ça. Je vais le faire comme ça, ouais. Ça va être le stream du fail. Va être le stream du fail. Parce que j'ai l'autre, hein, j'ai soudé l'autre déjà. Hein. C'est toujours le mauvais côté. Alors, on est d'accord, le C3 il va sur le C6 et le R2 il va sur le B5. Sauf que quand je vais venir mettre mon PCB comme ça. Ah, je suis têtu, je sais. Il vient se mettre comme ça. Ah, mais je suis débile, mais t'as raison. Faut toujours faire confiance au concepteur. Toujours. Le concepteur a toujours raison. Le concepteur a toujours raison. Ouais, je suis pas doué en plus ce soir. Hein. J'ai peut-être bu un café de trop aujourd'hui. On va faire ça propre. Allez. Voilà comment on fait pour enlever de l'étain. On met du flux. On met un peu d'étain. Il aura fallu mettre de l'étain avant. Et un peu de tresse. Voilà. Et après, il n'y a plus rien. J'aurais dû faire ça avant. Donc, on a dit. Tac, ça va aller comme ça. Mais il faut que je le mette dans ce sens-là. C'est vrai? Bon, j'espère que ça vous fatigue pas parce que c'est quand même pas facile à expliquer tout ça en même temps. Et comme je suis pas un pro de la soudure. Ok, allez, on va se faire un truc bien propre. Entrée. Tac, ara. Voilà. Au moins pour que ça tienne. Donc on est d'accord, on va le mettre comme ça, on va le mettre dans ce sens-là, et je vais avoir la nappe dans le bon sens. T'es un chef, merci. Donc on a dit. Si j'ai une troisième main, mais je t'avoue que. Ouais, j'ai la tremblote. Ouais, j'ai la tremblote. Alors, tac. Voilà. Une belle photo. Donc ça c'est un Blinky. Nous on a fait un Blinky. Il y a un de chez les, du Discord Mechanical Keyboard qui a fait un Blinky spécial CC. Christian Clavier forcément. Voilà. Désolé. Hop. Donc on a dit on est comme ça. Et l'autre côté on a les 6.
Ok, allez hop, je vais passer une soudure. On va se faire strike pour des droits d'auteur maintenant. Hop là. Est-ce que... Hop, je vous remets la photo. Tac. Qu'est-ce que t'en penses, Balance Stick? Si, j'ai une troisième main, comme je disais. Mais... Voilà, comme ça, hop, ça pourrait aller proprement. Allez, on va souder comme ça, déjà, et on va voir ce que ça donne. Après, techniquement, normalement, on n'a pas besoin d'une troisième main. Hein. Surtout pas sur là-dessus, mais... Quoique si, ça va aider. Alors je vais vous laisser deux petites secondes. Je vais dire au revoir à mes filles qui vont aller se coucher. Je reviens, deux secondes. Pourquoi je mets un casque d'ailleurs, j'ai ça casse les oreilles, j'en ai pas besoin. Hop là. Merci Bastik. Donc là on a soudé, ça c'est bon. Hop, on va les souder de l'autre côté maintenant. Fatigué ça. Je reviens dans le champ de la cam. Hein. Faut juste que je puisse. Avec ces nappes flexibles là, c'est un peu chaud. Nickel. Ça aussi nickel. Parfait. Bon, on va se faire un petit peu de soudure pour que ça tienne. Voilà. Et là, on va faire l'autre côté. Parfait. Donc là, on a dit la même chose. C'est pas le plus dur, hein. Vous allez voir tout à l'heure quand tu vas falloir souder les switches, j'avoue que c'était pas le plus facile, hein. Pour moi. Allez, c'est parti. Toujours dans le cadre, ouais.
Ça, c'est tout bon, ça a tout été soudé. Et il reste ici. Non, ça, ça a été soudé. Ben voilà, ça a tout été soudé de partout. Ok. Donc là, on a fini la partie switch qui va venir se mettre comme ça. Ok, et ça, ça viendra comme ça. Parfait. Là, on est bon. On mettra les switches tout à l'heure. On va passer à ça. Passer à ça, ça, c'est la plate intermédiaire où il va y avoir les LED. D'accord ? Et les LED doivent être du côté ici. Elles doivent éclairer du côté... Enfin, elles doivent être de ce côté-là pour éclairer de ce côté-là. Parce que le principe, c'est qu'on va avoir ça. Ça va être comme ça. Le principe, c'est qu'on va être comme ça. Donc, il faut que nos LED viennent se mettre sur le dessus pour éclairer la partie ici. Ok ? Donc, en gros, on doit prendre nos LED et les souder comme ça, dessus. Donc les LED, eh ben c'est pas très gros non plus. Et attention aux LED, donc c'est de la 60... Je sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs. Mais c'est très 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 fragile par rapport à la température. Il faut y faire vraiment attention. Donc on va descendre en tempé. Comme on va descendre en température, on va avoir plus de mal à souder. Donc on va être obligé d'utiliser du flux pour mouiller vraiment la... Voilà, alors, je vais utiliser quoi ? Je vais utiliser le stylo. Donc le principe... Alors si vous voyez, là, sur le PCB, il a fait des traces blanches. Les traces blanches, c'est pour la petite patoune qui est différente des autres. Ok, ici. Si vous voyez tous, donc le principe, bah, on donne un petit coup d'étain, pareil, comme tout à l'heure. Je vais le mettre dans le bon sens. Moi, je mets un petit coup d'étain. Et bon, s'il y a quelque chose qu'il faut que je fasse, j'ai pas fait tout à l'heure. C'est nettoyer le PCB parce que j'ai touché avec mes doigts gras. Donc forcément, l'étain n'arrive pas à... Donc ça, c'est de l'alcool isopropylique. C'est de l'alcool à 98%. Vous êtes toujours là? Je vous ai pas perdu? Non. Je bosse pas dans la fibre, non. Enfin. Enfin, presque, mais pas. Mais presque. Non, pas du gel alcoolique. Le gel alcoolique dedans, t'as du glisse, t'as de la. Tu as du. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'il y a marqué dessus? Il y a des trucs gras dedans. Pour pas sécher les mains, justement. Je sais plus où c'est marqué, mais c'est pas top. Hein? Dedans, il y a de la glycérine. Je crois qu'il y a de la glycérine un peu dedans. Hein? Donc, faut éviter. Faut éviter. Bon, je travaille chez un opérateur, mais je travaille pas sur de la fibre. Voilà. C'est pour ça que je donnais cette réponse-là. Allez, hop, c'est parti.
C'est rare d'avoir le concepteur en même temps qu'il soit ici là sur le channel. Oui, Elite, oui. Un quart, ouais. C'est au niveau les paires de cuivre. Elles sont quartées ensemble. Alors, tac. Oula, j'ai pas baissé la température. Donc on va se mettre à 240. On va laisser refroidir. C'est vraiment fragile. Hein. Si vous regardez en attendant que ça refroidit, hop là. Est-ce qu'on peut. Hop, elle est où ma souris? Elle est où ma souris? Viens ici, toi. Tac. Si je vous montre ça. On va descendre un peu plus. Hop là. On va peut-être descendre encore un peu plus si on peut. Ah non, je peux pas. Je peux pas. Ah si, c'est bon. Tac. Voilà comment s'est fait une LED. Voilà comment s'est fait une LED. Donc forcément, vous voyez tous les petits fils dorés. Forcément, les petits fils dorés, bah, c'est. Faut y aller doucement, quoi. Parce que ça, faut pas oublier que ça fait 3 mm. Et là, on va avoir les trois couleurs de souvenirs. Je sais plus exactement, mais. Salut Sky. Ah, merci. On va mettre un peu plus de lumière si on peut. Ouais. Tac. Donc, c'est vraiment tout petit, hein. La pâte en biseau, ouais, c'est ça, c'est le grand, c'est ça, c'est le moins, c'est la masse. J'ai pas préparé la datasheet, mais j'aime bien montrer les datasheets d'habitude, mais merci Sky. Hop là. Allez. Et ben on va repartir. Hop. Tac. Je vais reprendre ma petite LED. Tac. Alors j'avais prévu 2 heures. Bastille qui m'a dit oh, tu verras en une demi-heure, il est torché, c'est bon, c'est fait. Bah je suis désolé, mais non, moi il me faut plus. Hein. Pourquoi il. 240, c'est un peu petit. On va mettre un peu plus haut. On va mettre à 260. Oui, ça y est. Même 270, c'est un peu petit, hein. C'est un peu léger. Ouais, ça chauffe pas assez. Je sais pas ce qu'il y a. Ah bah si, je sais ce que c'est.
que ça valait mieux comme ça. Et oui, quand je vous dis que le flux ça aide. Tac 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 tac, ça c'est bon. Allez. Moi ouais, je disais j'espérais qu'en 2 heures ce soit fait, mais j'ai l'impression que j'aurai pas le temps de tout finir en 2 heures. Bon, ça va qu'à cette heure-là, il n'y a plus personne derrière. N'hésitez pas à mettre en commentaire hein, si vous voulez qu'on continue à faire des petites soudures comme ça, qu'on montre un peu. Donc moi c'est plus le clavier, mais je sais qu'il y en a d'autres qui sont prêts et qui attendaient de voir un peu ce qu'on allait faire pour faire de la soudure sur d'autres types de matériel. Sur par exemple du VMode de carte graphique ou autre. Vous savez que overclocking.com, c'est overclocking. Donc il y a moyen de. Il y a moyen de faire du VMode. On a. Comment il s'appelle ? Corner qui est chaud pour ça. Donc là, je fais juste de la petite soudure rapide pour faire accrocher en fait. Juste pour que mes LED elles tiennent. Et après, je vais refaire un passage pour que ça soit bien bien soudé. Est-ce que là, celle-là ? Parce que quand on soude froid comme ça. Et ben, on a des soudures qui sont pas propres. Enfin, moi, j'ai des soudures qui sont pas propres. Check, 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 ici. Donc on revient sur le plaisir du DIY, du clavier mécanique. On est d'accord, on peut aussi prendre des kits déjà préassemblés, où il y a 2-3 trucs à souder. Souvent c'est ce qui se passe, hein. Il n'y a pas tous ces composants à souder hein, sur les claviers mécaniques. Fil impossible à étamer, je viens Vertex. Flux. Tac, 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 il m'en manque 3 là. Ah bah tiens, j'avais pris le bon nombre. Je vais essayer de tout montrer tout à l'heure si on a le temps, mais. C'est pareil. Comment on arrive à récupérer une soudure. Je vous montrerai ça la semaine prochaine. Voilà. Allez hop, un petit tease. On va faire je vais essayer de voir semaine prochaine ou semaine d'après. On va faire un autre clavier
On va faire un Mysterium. Qui a été fait par Cosef Amity. C'est un wall, ça veut dire qu'on a les composants traversants. C'est pas du SMD comme ça, du composant en surface. Donc ce sera peut-être un peu plus facile. Alors, le flux, on l'a en stylo. On peut l'avoir en seringue. Sachant que ça, c'est de la récupération, donc c'est pas top. Et aussi, on peut l'avoir en pâte comme ça. Donc pour les pâtes, c'est simple, hein. On prend soit une allumette, soit un cure-dent. J'ai plus de cure-dent, bien. Hop. Et on met du flux dessus. Alors le problème du flux, c'est que ça salit et après, il faut bien nettoyer. Vous voyez, on met un peu de flux. Le principe, il est là. On met du flux. On prend son fer à souder. Comme on a mis du flux. Ah ouais? Ouais. Ouais, bah ouais. Voilà. Après, toi, tu as l'habitude, hein. Moi, j'en ai pas. Hein. Après, on peut le faire sans flux, hein, mais je trouve que c'est plus propre et c'est plus facile. Casser la tête, on monte la température. Plein. Tac. Oula, chargé. Voilà. Ok, là c'est tout soudé. Comme j'avais mis un peu de flux, on va faire un petit peu de nettoyage.
J'aime pas la couleur que ça fait, le flux, sur du noir mat. Voilà, ça nettoie un petit peu.